Psaume 119, verset 107. Psaume 119, verset 107. Psaume 119, verset 107. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, Jésus. La Bible dit que la parole de Jésus-Christ est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Répète après moi, bien-aimé. Ta parole affecte mes destinées et mes temps. Ta parole affecte mes destinées et mes temps. Ta parole affecte mes destinées et mes temps. Elle éclaire mes ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh, Rindabashi. Hey. Psaume 119. Le roi David dit dans le verset 105. Ta parole est une lumière à mes pieds, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, quand elle dévance ta vie, quand tu proclames cette parole, elle détruit les ténèbres devant de toi. Elle détruit les ténèbres devant de toi. C'est pour ça que tu dois répéter après moi et tu dois prier sur cette parole. Ta parole, Jésus, affecte mes destinées. Tu as plusieurs destinées. La destinée que tu as matrimoniale, la destinée ministérielle, la destinée financière. C'est pour ça que David pouvait parler des destinées. Dis que ta parole affecte mes destinées et mes temps. Elle éclaire mes ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, ta parole, ô Dieu de grâce, affecte mes destinées. Je déclare que, Seigneur Dieu de gloire, que ta parole touche ma destinée maintenant. Que ta parole touche ma destinée maintenant. Que ta parole touche mon ministère maintenant. Que ta parole touche mes finances maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Yambariaba, Hekereba, Chandaraba Kababa, Shirondrobo. Tu es béni, Jésus. Tu es béni. Tu nous donnes les secrets de la victoire, Saint d'Israël. Et ce soir, nous ressortons de ce programme encore avec une victoire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Car sa parole affecte nos destinées ce soir. C'est la parole de Dieu qui affecte nos destinées. C'est la parole de Dieu qui affecte nos temps. C'est la parole de Dieu qui affecte nos ténèbres, qui éclaire nos ténèbres. Partout là où il y a des zones d'ombre dans ta vie, on voit la parole de Dieu maintenant. On voit la parole de Dieu maintenant. Car cette parole a la puissance de toucher les profondeurs de ta vie. Cette parole touche les ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres de ta vie. Quel que soit le lieu où il y a les ténèbres dans ta vie, je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que la parole de Dieu touche ces ténèbres. Touche ces ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kambarabashi. Rindabashi. Je ne sais pas si tu avais moi. Si tu avais moi, ton amen. Ton amen. Amen. Kondoroboshi. Ta parole, Jésus. Ta parole. La parole de Jésus-Christ, cette parole puissante, cette parole merveilleuse, cette parole forte, cette parole de gloire, cette parole puissante qui affecte nos vies, cette parole qui affecte nos vies, Shandabakabakaba, cette parole est puissante. Cette parole est merveilleuse.